Et maintenant, nous annonçons du stand présidentiel Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, président de la République. Consécration pays d'Haïti à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Jour qui était 8 décembre 1942. Je suis content de partager un moment historique, ça, un moment important ça, pour l'Église là avec nous. Je prie Son Excellence le nonce apostolique de transmettre au pape François nos remerciements pour ce message plein d'attention adressé à l'endroit du peuple haïtien. Journée aujourd'hui, maladie variole, pas nous, ici dans le pays d'Haïti, c'est menti qui a gangrené la société. Le message de l'évangile là, c'est un message de la vérité. La vérité, c'est la lumière. L'Église, comme institution morale, qui a pour mission chercher concorde et harmonie dans la société pour tout le monde qui vit l'un avec l'autre. L'esprit l'amour m'a dit pour nous respecter l'un pour l'autre, pour nous divertir, pour ne pas parler. Parce que mensonge, c'est un péché. C'est un gros péché. Oui, c'est un gros péché. L'Église, comme une institution sociale, doit aider la nation pour délimiter la vérité dans tout le pays. Nous ne pouvons pas bâtir et nous ne pouvons pas construire un pays sous menti, sous mauvaise information, sous l'humeur, la haine, violence à l'hypocrisie. Tout ça, ça y est, dépendamment à la parole de l'évangile, parole pour Dieu. Dans la société nous aujourd'hui, pour nous avancer, il ne faut pas de bluff. Il faut nous dire vérité. Dis sa vérité, c'est pas baillement. Dis vérité, c'est payer impôt comme citoyen. C'est décourager et dénoncer tout contrebandier qui empêche l'État de corps pour mettre l'école à l'hôpital pour petit peuple. Parole vérité, mandé pour tout citoyen et de l'État dans le travail. L'air dénoncé tout bandit qui a simé la troublaille avec la pérèse dans le quartier populaire.
parole de l'évangile là, m'a dit pour nous respecter la vie frère Axel. Respecter jeune femme et jeune garçon. Parce que jeunesse là besoin de respect et dignité. Parole vérité a mandé pour nous moraliser tout coin dans la société. Ce n'est pas moraliser ça en haut, quitter ça dans le temps, ou bien moraliser ça en bas, quitter ça en haut. C'est tout le monde. Parole vérité a mandé nous pour nous faire tout ça possible pour pays noir. Marcher sur route justice avec la paix. C'est comme ça, nous avons gagné un pays côté tout le monde a senti à l'aise tout le monde. L'Église comme institution morale doit aider la société à rester sous chemin moralité avec la paix. Moralité avec la paix, c'est des outils importants qui garantissent nous une société qui s'ita sur justice et progrès pour tout le monde. Si nous trouvons dans l'état de aujourd'hui, ce n'est pas un hasard qui mène nous. C'est gens nous gérer le pays. C'est gens nous vivons avec l'autre qui mène nous. Gens nous habitent là, pas de route, pas de bois. Faut nous reprendre route tête ensemble. Tête ensemble, nous toujours montrer dans un moment difficile. Par exemple, tête ensemble, ça, l'idée c'est cette journée pour nous reconstruire Haïti. Même Jean, en 1942, nous mettons tête ensemble pour nous combattre. Maladie, petit peu. Frère Axem haïtien, chrétien catholique, les jours nous décidons d'appliquer pour tout, tout enseignement grand maintenant qui était pour nous, remet, tête ensemble, avancer main en main, Haïti a changé tout bon. J'en ai tout quoi, nous voulons. Moi-même, président pays, nous faisons cette obligation pour nous travailler chaque sans retour, pour construire unité toute nation, pour nous rejoindre une véritable réconciliation à tout petit pays. Il est le temps pour nous finir avec une menace et violence dans le rapport nous avons à l'autre. Il est le temps pour nous prendre à l'hypocrisie, mauvais système, rat, mort de soufflé. Mesdames, messieurs, peuple haïtien, je tiens à remercier tous les secteurs de la vie nationale qui prennent toute leur part dans le combat pour canaliser les espérances du peuple haïtien, améliorer ses conditions de vie et redresser l'image du pays dans le monde entier. Je porte un intérêt particulier à la collaboration à tous les niveaux avec les forces morales et religieuses du pays. J'encourage en même temps la collaboration entre les religions, toutes les religions, pour la promotion des valeurs communes et l'avancement des objectifs communs. À cet égard, mon administration se tient prête pour un dialogue constant et transparent, ainsi qu'une collaboration renouvelée avec les autorités religieuses du pays sur toutes les questions d'intérêt commun. Le dialogue doit être permanent. C'est peut-être ça, mais lancer l'État généraux sectoriel nation. Yachita ensemble pour nous brasser l'idée pour nous une solution à tout problème qui a bouleversé le pays depuis plus passé 200 ans. Je m'en voudrais de ne pas saisir l'occasion pour saluer également
le rôle irremplaçable de l'Église catholique a toujours joué dans le domaine social, surtout l'éducation de nos jeunes. Je vous encourage tous, évêques, prêtres, religieux et religieuses, à continuer à utiliser votre sagesse et vos multiples ressources pour contribuer davantage à l'éducation de la jeunesse haïtienne, à promouvoir la culture de la vérité, du respect des droits fondamentaux et des institutions républicaines, conditions indispensables pour l'instauration d'une nation nouvelle, fraternelle, prospère et juste. Merci en pile. Que Dieu bénisse à vous.